Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne des Crispations. Donc aujourd'hui j'ai reçu un courrier d'Alex. Donc pour son concours, on va regarder ce qu'elle a fait. Donc quel thème elle a choisi? Yeah, Halloween. Thème Halloween. Donc génial. Oh, elle m'a mis des petites serviettes en papier. C'est super. Avec des crânes, des chapeaux, des toiles d'araignée. Ah, des petites serviettes sympas. Alors, ici, c'est une pochette. Ah, puis la Halloween avec tous les citrouilles. On a une jolie citrouille, un joli cœur ici. Et son Happy Mail, il est magnifique. Ah, elle a fait plusieurs thèmes en fait. Couleur automne. Là, c'est le thème automne. Avec le faisan, les feuilles, les die cuts qu'elle a colorisé. Enfin, ancré. Voilà. Ça, c'est bois. Donc, elle a fait les deux thèmes en fait. Thème Halloween. Alors, lequel j'ouvre en premier? Je ne sais pas. Donc, on va déjà ouvrir ça. Hein, comme c'était dessus. Donc, un joli trombone en forme de cœur. Chouette. On va ouvrir l'enveloppe déjà. Donc, elle a mis plein de choses dedans. C'est super. Tous des cadeaux. Waouh. Alors, des die cuts un peu mousse. Non, c'est pas mousse. C'est des die cuts en carton sur le thème Halloween. C'est super. Waouh. On a gâté des petites pinces à linge avec des citrouilles. Très chouette. Alors, c'est tendance faite. Pince déco citrouille. Ah, j'avais pas. Yeah, encore plein de die cuts avec des chats. On va l'ouvrir. On va vous montrer quand même. Hein. Tous des die cuts en mousse. J'aime bien. J'aime bien ces trucs en mousse. Le petit chat. La jolie citrouille. Il y a encore des petits morceaux qu'il faut enlever, mais c'est pas grave, je le laisse pour l'instant. Citrouille rigolote. La petite sorcière. La toile d'araignée avec l'araignée. Génial. Un petit nuage orange avec la lune. Et une autre sorcière. Voilà, ici c'est la même. Deux chauves-souris. Elles sont trop marrantes. Le petit chat noir. C'est tout en double en plus. La petite citrouille et le petit nuage. Super. Merci Alex. C'est sympa comme tout. Alors là, j'aurai des petites choses pour Halloween, c'est super. Je vais tout remettre dans le sachet. Voilà. Ici, ATC, titre Halloween, c'est la 1 sur 3. C'est la numéro 1 sur 3. Waouh! Donc, elle a mis dans une pochette plastique aussi. Voilà. Donc, elle a mis une image. Ensuite, elle a remis une image dessus avec un chat dans une cage. Et un petit en 3D, là elle a mis un petit mot Halloween, un petit sentiment Halloween, et très joli. Merci. Elle m'a mis des petites choses en bois aussi, c'est superbe. Voilà, tu m'as gâté, Alex. T'as un petit cadeau. Voilà la petite le cercueil. Voilà le cercueil, une toile d'araignée. La citrouille dans un petit rond. Un petit hibou. Chouette. La petite chauve-souris. Ils sont beaux, hein? Le bout. Je pense que vous voyez. La petite sorcière, elle est belle. Le petit chapeau de sorcière. Tout en bois. Puis le petit corbeau, là. Voilà, super. Bon, ben merci.
C'est chouette. Des jolis cadeaux. On a bien gâté, hein. Waouh. Bah dis donc. Plus encore. Waouh. Des autocollants Puffy. En citrouille. En momie. En petite sorcière. Waouh. Tu m'as tout mis, dis donc. Il y a beaucoup, là. Je les ai jamais vus, ça. En Puffy, j'adore. J'adore. C'est super. Bon, merci beaucoup pour tous ces cadeaux. Donc, elle m'a carrément fait une enveloppe cadeau. Hein. Waouh, tu m'as bien gâté. C'est super sympa. Merci ma copine. Ça, c'est une super copine de scrap quand même. Plus les serviettes, là. Wow. Il y en a pas mal en plus, hein, au moins une dizaine. Très chouette. Et on va regarder son Happy Mail aussi qu'elle a fait. Donc ça, je connais. Hein, c'était l'année passée, je crois. Je sais plus. Alors, elle a fait deux nœuds. Ah, il y a deux. Oui, il y a deux rubans. Un marron et un orange. Voilà. Donc, c'est le thème automne, je pense. Oui, c'est ça. Oh là là, on a des belles choses. Une jolie pochette ici. Ah, on a son mot. Hello automne. Donc, une petite carte qu'elle a fait. Voilà. Hello automne. Une jolie carte double. Super. Alors, ma très chère Christine, voici enfin ma participation à ton concours. J'espère que mes petites créations vont te plaire. Ah oui. Je sais bien que je n'ai pas choisi ton thème préféré. À bientôt. Bisous, Alexandra. Ouais, mais c'est quand même mon thème préféré. Même si c'est pas Noël, c'est pas grave. Il y aura bien d'autres moments où on fêtera Noël. Ah, ici, il y a une grande pochette. Waouh, mais tu m'as super gâtée. Avec des tampons. Tout sur l'automne. Waouh, magnifique. Des écureuils, des petits renards, des petits hérissons, des petits glands. Des morceaux de tronc, des troncs d'arbres, comme des tranches de troncs d'arbres, des petits champignons, des feuilles. Superbe, des tampons. Et ensuite, des mots français. Waouh, merci. Après la pluie, le beau temps. Après la pluie, le beau temps. Donc, il y en a plusieurs, il y en a trois. Ici, rusé comme un renard. Ah ouais, bien. Il y en a trois aussi. Il était une fois. Trois en trois fois. Mère nature en trois fois. Automne, automne. Et le joli petit hibou. C'est superbe. Merci. Les tamponnages, ils sont superbes. Alors, je remets dedans. Oh là là, tu m'as mis un die cut. Alors, je sais, super mini matrice. Waouh, il est chouette. Alors, c'est un... Alors, je sais pas, c'est une baleine avec la corne, là, je sais pas comment on appelle ça. J'ai plein de paillettes. Une petite baleine en die cut. Donc, elle a fait une pochette avec le... Comment on appelle ça, la toile de jute. Et elle m'a mis aussi un tampon ici. Waouh, un petit tampon de Noël. Il est superbe. Avec toutes des petites branches de sapin. Alors ça, ça va bien me servir. Génial. Oh, c'est une poinsettia. Je ne l'ai pas vu. Voilà ce que ça donne. Oh, magnifique. Eh bien, merci beaucoup parce que j'adore. J'adore, j'adore. Des cartes ou des projets. Merci beaucoup. Et là, oh là là, ça s'ouvre encore comme ça. C'est rempli à ras-bord. Elle a fait des super tags. Alors, elle a fait un belly band ici avec des tags. Toujours les cœurs ici sont magnifiques. Des cœurs. Un tag avec des jolis champignons en mamite. Voilà, la ficelle, donc toujours un peu vintage. Donc sur du papier automne, qu'elle a ancré au bord. Voilà, qu'elle a attaché au belly band. Sympa ça. J'attacherai après. Pareil, donc un vert, un cœur vert. Donc ici, un petit tag à champignon, une morie. C'est la morie ça. Je crois, oui c'est ça. Donc elle a fait un tag en découpe parce qu'il y a les découpes de couture dessus. Un joli papier
et un sticker de Maury dessus, avec un ruban orange. Très chouette. Je vais essayer de le remettre. Voilà. Celui-ci. C'est superbe. Hein? Voilà, puis un grand tag aussi ici, avec le cœur orange. Ils sont beaux, hein, des trombones. Voilà, ici elle a mis une petite fleur, ici un... Ouais, c'est chouette. Avec... Ah oui, elle a mis à chaque des petites fleurs en... Je ne sais plus comment ça s'appelle, ça y est. Voilà, un joli papier aussi, sur un tag. Et un grand sticker de champignons, c'est beau. Ils sont magnifiques. Donc un super belly band. Et là, ici, il y a une pochette avec des feuilles. Oh, ça se déchire. Attention. Donc des jolies feuilles d'automne. Elles sont belles. Elles sont superbes. Jolies feuilles d'automne. De la ficelle, ouais, ça sert toujours. Voilà, je vais le mettre sans trop. Ça s'est décollé un peu là, mais je recollerai. Ici, il y a une enveloppe avec un trombone vert, aussi en cœur. Une jolie enveloppe. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Des petites découpes, waouh! Des découpes de feuillage, c'est super. Ah, merci beaucoup. Tous des feuillages de en marron comme ça, un peu automne quoi. Voilà, ça c'est super ça, ces feuillages. Une feuille d'automne, hein, une feuille de chêne je crois. Des toutes petites feuilles ici. La feuille de jungle là, je sais plus comment elle s'appelle. Voilà, les feuilles de sapin ici, c'est chouette. Elles sont belles. Voilà, encore une grosse feuille. Des autres feuillages. Voilà. C'est original, en brun, en marron, les feuilles d'automne, quoi. Voilà. Chouette, hein. C'est beau. Merci beaucoup Alex. Ouais, je remets le petit cœur. Voilà. Ah, chouette. Ah, et ça s'ouvre encore. Waouh. Wow, regardez ça, ce Happy Mail, il est magnifique. Magnifique. Alors là, elle a fait encore un grand belly band. Et ça fait pochette. Elle m'a mis de la toile de jute. C'est super. Merci beaucoup. Ça sert toujours ça quand on fait des choses d'automne. Et encore une pochette ici. Waouh! Alors, avec des. Waouh! Alors là, on m'a gâté. Alors, ici, c'est des tampons, je pense. Un en brun. Ça fait tampon arbre. Les écorces d'arbre. Et puis un en noir. Chouette, hein? C'est joli. Joli comme ça. Voilà. Un superbe ton Happy Mail. Il est grand, il a de la place. Hein. C'est chouette, chouette. Et là, d'encore une pochette avec plein de choses qu'elle m'a mis sur les tags. J'ose même pas les sortir. Tout des. Alors ici, c'est des timbres. Écureuil, timbre, champignon. Elle m'a mis des fougères. C'est tout transparent. Wow. C'est tout des die cuts transparents. Comme elle a collé sur ses tags. Les champignons là ou là. Chouette. Ils sont beaux. Hein? Voilà, tout des feuillages d'automne. Magnifique. Les champignons. Encore un jaune. La fougère. Voilà. Encore des amanites. Un gros champignon. Et encore un
Ben c'est superbe. Je connais pas les noms des champignons. Je connais un petit peu, mais pas beaucoup. Eh ben merci beaucoup. Hein. Tu m'as super bien gâtée. Hein. Waouh, Alex. Merci, merci. Super chouette. Ça, c'est un joli happy mail aussi. Hein. Bravo. Hein. Il est beau ton happy mail. Il est magnifique. À 4. 4 voire plus. Et encore. Voilà, j'allais dire encore quelque chose. C'est le T-Bucket Dice. Waouh, il est super grand. Regardez ça. C'est vraiment des grandes pochettes avec tout ce qu'il faut dedans. Il est super, bravo. Hein. 4 pochettes ici. Une enveloppe ici. Une autre petite pochette ici. Et voilà, ça se referme. Waouh, superbe. Ça, c'est super chouette. Tu m'as bien gâtée avec tous les cadeaux. Ben, bravo, bravo, bravo. Je vais vite te noter sur mon petit carnet. Donc, tu es la cinquième. J'ai encore d'autres personnes qui vont participer. Voilà, donc 5, Alex. Je sais qui c'est, Alex. Voilà, t'es noté. Donc, vous êtes déjà 5. J'en attends encore une ou deux parce que il y a une personne qui m'a envoyé un mail comme quoi c'était envoyé, donc je pense que je vais le recevoir. Et peut-être ma soeur aussi qui va en faire un, donc j'attends, je vais voir. Voilà, il vous reste, je ne sais plus quel jour on est. Il vous reste encore peut-être une semaine, je crois. Ouais, même pas. Non, on est le 26. Oui, il vous reste quelques jours. J'espère que je vais les recevoir avant. Sinon, je recule un peu si jamais vous me le dites. Là, s'il y en a qui veulent encore participer. Donc, un happy mail, voilà. Automne ou Halloween ou bien Noël. Voilà. Un happy mail. Alors là, elle m'a fait des super cadeaux. Hein. Des serviettes. Et voilà. Donc, Alex, tu es la numéro 5 pour le concours des 500. Donc, merci beaucoup. C'est superbe. Alors, j'espère qu'il y aura encore des participantes. Dites-moi et je recule la date s'il faut pour le tirage au sort. Voilà. Donc, merci beaucoup. Je vais refaire... J'essaie de faire des tutos, mais c'est pas facile. J'ai un marché de Noël bientôt. Enfin, dans un mois. Et j'essaie de faire pour mon marché de Noël. J'avais eu des commandes aussi, donc j'ai fait pour mes commandes. Donc j'ai beaucoup de travail. J'ai des albums à faire aussi et j'en ai 5 à faire. 5 commandes d'albums. Alors vous voyez, j'ai du travail. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop le temps de faire des tutos. Je vous mettrai quand même quand j'aurai fini les albums ce que j'ai fait. J'ai fait des petites maisonnettes d'oiseaux, si vous voulez regarder, j'aurais dû en emmener une d'ailleurs, je vais la chercher. Donc je vous montre, voilà, les petites maisons que j'ai fait pour mettre dans le sapin. Voilà. Petite maison d'oiseaux, en rouleau de papier toilette. Voilà. J'ai mis de la neige artificielle dessus. Voilà, j'ai fait un trou, j'ai mis du ruban. J'ai mis une petite pomme de pin que j'avais récupérée l'année passée. J'ai mis de la fausse neige, voilà. Hop. Je vous en montre quelques-unes, j'en ai fait une dizaine. Voilà, ici celle-là en rouge. Voilà, j'ai mis un peu de verdure et des petites pommes, enfin, des petites boules rouges, voilà, pour faire un peu de couleur. Voilà. La troisième en bleu. Pourquoi pas, je fais toutes les couleurs. Voilà, pareil, j'ai mis... Là, c'est du plastique. Bon, je trouve ce que je récupère. Hein. Voilà, on me donne des choses et tout, donc je récupère tout. Et ça fait un peu de verdure. Hein. C'était un sapin que j'ai coupé en deux. Voilà, voilà. Mes petites choses, mes petites maisons d'oiseaux pour mon marché de Noël, voilà, qu'on peut mettre dans les sapins de Noël. Ils sont très mignons, j'ai adoré les faire, hein, je m'amuse bien. Après les petites maisons, ben, on continue dans les maisons, donc c'est maison d'oiseaux cette fois. Voilà, j'adore, voilà, je suis fan de ces petites maisons. Voilà, j'espère que ça vous plaît aussi, voilà.
Je vous remercie, je vous fais de gros bisous et passez une bonne journée. Au revoir.